Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo de guitare-facile.fr. Au programme d'aujourd'hui, on va apprendre un nouveau morceau. Alors on va voir une nouvelle technique. Qu'est-ce qui me reste? Morceau, technique. Matos. Ah, et bien aujourd'hui on va parler de matériel et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la guitare lélé. C'est parti! La guitare lélé ou guitare lélé ou ukulélé à 6 cordes n'est pas une guitare que vous avez oubliée dans votre machine à laver à 90 degrés. C'est qui a encore laissé la machine sur 90 degrés, les gars? Vous êtes relous. C'est pas non plus une guitare pour enfants. En gros, la guitare lélé, c'est un petit peu comme si vous preniez votre guitare à vous, que vous coupiez le manche à la cinquième case et que vous recolliez la tête. Y'a quelqu'un qui a un bâton de colle? En gros, on a une guitare à peu près pour adulte, avec un manche qui va être plus large qu'une guitare pour enfant et une tête qui va être à peu près une tête pour adulte. L'avantage est qu'on a un corps qui est petit. Une guitare comme ça, ce qui est bien, c'est que ça peut se trimballer partout. On peut l'emmener partout en soirée, dans le coffre de la voiture, ça prend pas de place. Et en plus, l'avantage, c'est que ça a un son sympa. On va voir. Ça a quand même un petit côté soleil. Pour les accords, c'est un petit peu différent. La guitare lélé est accordée en La, Ré, Sol, Do, Mi, La. Et non pas comme une guitare en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. On va avoir un accordage comme si, sur votre guitare, vous mettiez un capot à la cinquième case. Donc comme sur votre guitare avec un capot à la cinquième case, et ben, lorsqu'on joue un Mi mineur, on obtient en son un La mineur. Donc deux possibilités face à ça, soit on chante tout décalé, soit on fait, grâce à une correspondance, grâce à des tableaux de correspondance, on va réussir à décaler le morceau pour jouer dans sa tonalité originale. Donc, si on a besoin sur la guitare lélé de faire un Do majeur, à l'oreille, on va jouer un Sol sur la guitare lélé. L'avantage par rapport à un ukulélé, c'est que cette guitare est équivalent à votre guitare. En gros, on va avoir les 6 cordes, même si elle est décalée de 5 demi-tons, on va avoir les 6 cordes positionnées exactement de la même manière. Bref, on ne se pose pas de questions lorsqu'on joue dessus, qui est un avantage assez certain. Même si un ukulélé, en y réfléchissant bien, on n'est pas loin d'une guitare, ça déstabilise pas mal de personnes. Donc, ça permet de faire comme si on jouait du ukulélé, mais avec une guitare. C'est la guitare lélé. Wow. Une guitare lélé, ça coûte environ 60 euros. Donc, c'est pas très excessif. Ça peut être une bonne idée de cadeau pour un ami guitariste ou pour vous-même. Ça peut être quelque chose qui est sympa par rapport au son, par rapport à la taille. Donc, bref, vous voulez partir en vacances, emmener une guitare, mais qui prend pas la taille d'une guitare. Ça permet de pouvoir jouer. Vous voulez avoir une guitare qui a un son un petit peu plus original, plus proche du ukulélé, sans vous prendre la tête. Ça permet de faire ça. Et ben voilà, c'est parfait. Et ben, la guitare lélé est une guitare en bonus de votre guitare qui va vous permettre de faire des choses différentes par rapport à votre guitare, de pouvoir l'emmener partout, bref, de vous amuser avec. Et ben, si ça vous intéresse de l'acheter sur internet, un petit lien disponible en dessous pour pouvoir l'acheter. Et sinon, dans vos magasins préférés, normalement, on en trouve aussi. Et ben voilà, c'est tout pour la guitare lélé. C'est à vous, travaillez bien.